Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker Chinois l'Apocalypse, aka Fing Fang. Le son il s'appelle Ye. Et description, non, il a mis les paroles. Et réalisé par Constant AK. Let's go. Oh là 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 là, il propose des samples comme ça, le prodo là. Ça, c'est un sample d'artiste, un son de l'époque américain. You can stop the rain. Énorme. Ce qui est sûr, c'est qu'il va pas pouvoir avoir de droit d'auteur tellement parce qu'il va se faire choper par les trucs. Donc j'espère qu'il est conscient déjà. Le mixage il est chelou hein. Peut-être la prod elle est un peu. Elle est pas mixée hyper clair en fait. Ou c'est peut-être un style qu'il a voulu, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu. T'entends trop la cymbale, je crois. Mais le son est mortel. Mais moi je kiffe hein. J'accomplis ma mission. Je suis un prophète. J'ai trop d'ambition. J'accomplis ma mission. Je suis un prophète. Je suis un prophète. Ce mec là il a tellement de niveau. Ah mec il tue des carrières comme ça les gars. Super. T'as les fumes comment? Ce gars-là, il est tellement puissant, ce mec. Terminé, je vais juste le mettre en fond, tu vois, parce qu'il était tellement bon le son. Voilà. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est déjà qu'il a que le producteur, je sais pas ce qui est à la prod, il a samplé un son, je sais pas, d'une meuf américaine qui doit dater des années 80-90, un truc comme ça. Je vais juste aller checker le son pour voir exactement c'est quoi. En tout cas, les gens qui samplent les sons comme ça, ça a tellement de valeur pour moi parce que en plus c'est pas un choix de merde, tu vois. Celui-là ou pas? Celui-là, c'est quel groupe? Bon, j'espère qu'il va pas se faire choper par les droits d'auteur et tout le bordel. Hein. C'est un. Ah. Années 80-90, tu vois. C'est un groupe. Donc voilà. C'est celui-là, l'original du son du début. Donc,
il a samplé, je sais pas ce qu'il a samplé, mais en tout cas, grosse force à lui parce que le son il est magnifique. Dommage, le mixage il est un peu chelou, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. En tout cas, je sais pas si c'est des cymbales ou pas. C'était un peu. C'était pas forcément aux normes du volume, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas clair précisément. Mais en tout cas, bon, en tout cas, pour l'initiative du sample, magnifique. Et ça fait super bien parce que je sais que ce gars-là, il adore les sons un peu, tu vois, avec un style ricain à l'ancienne, avec des samples, des boucles de ouf, tu vois, mélodie, tu vois, un peu vraiment US, je sais pas comment te dire, mais ce gars-là, il aime trop ce truc-là. Mais 42 000 abonnés. Il a 6 000 vues, c'est pas normal déjà. Il devrait au moins avoir au moins 60 000 vues minimum. Déjà, chinois, aka Fing Fang, aka, je sais pas, il y a encore un autre truc. Seven, je crois, je sais plus c'était quoi déjà. Apocawero aussi. Il a tellement de noms. Et ce que je comprends pas, c'est que ce gars-là, il est puissant. Il a des refrains de ouf, il a un flow de ouf, il a un style qui est hyper intéressant pour le monde de la musique, que ce soit au niveau des feats, des projets, des collabs étrangères, etc. Mais ce mec-là, je sais pas, je vais juste voir sa chaîne. En fait, il est pas au-devant de la scène comme il le mérite, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, par exemple, tu regardes sa chaîne vidéo, sa chaîne YouTube. Il est actif, il est plutôt productif, tu vois. Son plus gros son, il date d'il y a 10 mois, c'était Jackie Chan, il était énorme, il était énervé de fou. Après, tu remontes un peu, il y a Apocalypse et les cracks, c'était un gros son aussi, et il avait Seven Mode. Et après, pendant un an, je sais pas, il s'est passé quoi, gars. Il s'est calmé d'une force, il était sur une montée de ouf. Et après, il s'est calmé. Il s'est calmé, après l'envoyer doucement, doucement. Jusqu'à que. Je sais pas s'il a perdu un peu de côte ou pas. Mais pour moi, c'est toujours une tête, ce gars. C'est toujours une tête. J'espère franchement qu'il va revenir à un niveau le plus haut, qu'il aura une visibilité extrême. Et qu'il aura autant de vues qu'avant. Ce qu'il mérite grave. Il a un style de son, choix de prod. Sa vision du son, du pera, tout ça, il n'y a que lui qui l'a. Je crois qu'il n'y a que lui qui l'a. Il a son style à lui. Et franchement, c'est dommage qu'il ne revient pas au niveau qu'il avait, tu vois. Enfin, il a le niveau, il a toujours le niveau. Mais la visibilité, je comprends pas. Soit il veut pas fitter, soit il veut faire ses trucs en solo. Soit il veut pas trop, tu vois, pas faire comme les autres, en train de fitter avec les grosses, grosses têtes, tu vois, toutes les top 10 du pera en Côte d'Ivoire. Et je sais pas. Je sais pas, moi je comprends pas trop. Je sais pas, peut-être qu'il a eu un souci ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, pendant un an là, on l'a pas vu et c'est dommage, tu vois. Parce qu'il aurait pu prendre encore une autre ampleur de ce qu'il a eu là avec les Seven Mode là, tout ça. Ah là là là. Qui c'est qui se rappelle de ce son là? C'était juste il y a un an. Mais qu'il a envoyé un son comme ça là. Normal. En volant sur la mode, je suis noyé tombé dans la merde. C'est pas énorme ça. Je suis tombé dans la tête, je suis tombé dans la baisse. Je crois que j'ai découvert avec ce son. Après, j'ai décidé de voler. Il bon. Y a ma nature au volant du volant. La chose est tout ce qu'on voulait, merdant. Le merdant, c'est pas ce que t'as voulu. Toi, t'as voulu rattraper le voleur. Mais on t'a découpé comme une volaille. C'est fou. C'était fou pour bon, tout ça en tout cas pour dire que je donne grosse 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 force à Monsieur Fing Fang comme on l'appelle qui est chinois l'Apocalypse. J'espère qu'il va tuer ça bientôt et qu'il va revenir sur le devant de la scène comme il le mérite. Parce que là il divague à droite à gauche, tu vois, il envoie des petits trucs, mais je sais qu'il peut faire du sale, les gars. Il peut éteindre des carrières, il peut éteindre des gens un peu, il peut finir le stream, les albums stream facilement ce garçon. Et voilà, je sais de quoi il est capable. En tout cas, je lui donne de la force, mon gars chinois. J'espère qu'il va bientôt tuer ça vraiment comme il le mérite. J'espère en tout cas que c'est ses projets. J'espère pas qu'il compte se mettre en retrait, tu vois. J'espère pas qu'il va faire ça parce qu'il a trop de flow. Et c'est un tueur, ce mec-là. C'est le style de son que je kiffe, tu vois. Le côté un peu. Il a des choix de prod qui sont tellement lourds. Il a un flow monstrueux, dose d'autotune, tout ça. Tout est parfait avec lui et voilà, j'espère vraiment qu'il va tuer ça bientôt
est-ce que j'ai vu les commentaires un petit peu? Ah, les commentaires. Toujours de la qualité, ton travail va payer, continue comme ça, frérot. Les gars, il est le seul à faire ce genre de style en Côte d'Ivoire. Elle maîtrise parfaitement son. Ouais, vieux, tu es vraiment le père du mood. Pas encore écouté, mais je sais déjà que c'est du lourd comme d'hab, rappeur le plus constant actuellement. Félicitations, frère. Hey, yo, chinois, je suis haïtien, toi, t'es mon rappeur préféré depuis la musique. Oh non, je suis désolé, cette fois-ci, ça ne pourra pas. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Il est chelou. Encore une bombe, force à toi, Apocawero, tranchant comme scalpel, fing-fang, tu flow, la voix, le ment, tu as talent, donne-lui de la force, toujours fier, merci beaucoup. Très lourd, mon off, le flow glisse mal. Les gens savent, hein, les gens savent que ce garçon, il est chaud. Il n'a pas à continuer ce qu'il fait, tu vois, il est déjà au niveau qu'il est, tu vois. Mais je sais pas, il manque quoi en fait. Je sais pas, il se passe quoi. Peut-être qu'il veut faire des trucs en solo, peut-être qu'il a une vision artistique, musicale différente ou un truc, mais il était super bien parti, tu vois. Ce gars-là, il fait pas trop de feat avec le game, tu vois. Quand tu vois ses feats, il fait pas trop de feat, voire peut-être même pas du tout. Tu vois, il est un peu en retrait, tu vois. Il a fait un feat quand même avec Woodguns la dernière fois. J'ai quoi d'autre? Non, il n'y a rien, y a pas grand-chose. Il est crack. Après, je sais pas après s'il est vraiment encore au début de sa carrière, mais moi je trouve qu'il était hyper lourd, tu vois. Il avait un buzz de fou quand il est arrivé. Regarde, il a pété quand même les 200 000, je crois, un truc comme ça. Il était à 290 000, après il a envoyé 65 000, après il repart à 71 000 vues. Après, je sais qu'il peut repartir facilement, mais en tout cas, vu que c'est de la force, j'espère qu'il va être vraiment. Il peut tuer ce game direct en quelques sons. Il peut te faire des hits de fou, donc c'est dommage, tu vois. Je suis grave. Je sais pas que je suis déçu, mais je sais que le mec il peut envoyer tellement du sale, tu vois. C'est dommage, tu vois, qu'il n'envoie pas autant maintenant, tu vois. Donc, en tout cas, bon courage à lui et juste toute la force qu'il mérite parce que ce mec-là, il va éteindre des carrières, gars. Il va éteindre des carrières, je te le dis, gars. Il va éteindre des carrières. Je peux te dire que les gens qui vont être derrière lui quand il va être au top, ça va pas être facile de remonter ce style, tu vois. Les gens, ils vont copier tellement ce style. Je te dis même pas. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.